Oh my god. Oh my god. C'est bon, on est droit. Parce que l'autre fois, on était un petit peu penchés. Hein. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. Malgré que moi j'ai une petite rhinopharyngite, donc voilà, si ma voix part un petit peu en sucette, c'est normal. En tout cas, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu dans le titre, c'est un swap que je fais avec Fanny Sobreis depuis du coup maintenant plusieurs mois, voilà tout. Je lui ai envoyé également son swap que tu retrouveras en barre d'infos, soit sur son YouTube, soit sur son Instagram. Et donc il s'agit du swap du mois d'octobre, voilà, on est déjà au mois de novembre bien entamé, mais c'est parce qu'on n'avait pas eu le temps de se l'envoyer avant, donc voilà, c'est le mois d'octobre spécial Halloween, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, malgré que je me suis fait spoiler. Allez, je vais tout de même prendre d'abord la petite enveloppe, voilà, trop mignonne, avec un petit seau de Poudlard, en noir comme saisi, j'aime beaucoup le petit papier. Du coup, on va voir ce qu'elle a marqué à l'intérieur. Avec les seaux comme ça, c'est très joli, mais par contre, c'est pas des fois évident. Ah voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Coucou Meryl, aujourd'hui on se retrouve pour notre box Halloween, un peu en retard mais ça va, on est toujours en automne, oui c'est le principal. J'espère que je suis bien dans le thème, en tout cas j'ai fait mon maximum. Tu verras pourquoi en découvrant les articles. Des bisous, magicalement, Fanny. Merci beaucoup Fanny. Sache qu'en tout cas, moi je suis hyper contente de faire ces swaps chaque mois avec toi. J'attends avec impatience de recevoir ma box et j'adore aussi dénicher des choses pour toi. Donc voilà, c'est vraiment un beau projet qu'on fait ensemble toute l'année. Du coup, on va commencer avec le premier produit que je vois depuis tout à l'heure. Il s'agit de celui-ci. Gare à ceux qui sont arachnophobes. Voilà, c'est une araignée qui fait référence bien entendu à Aragog, l'araignée d'Hagrid. Celle-ci va parfaitement aller dans le prochain décor d'Halloween, je pense, l'année prochaine. Franchement, je suis trop contente. Elle est vraiment toute mimi avec ses petits yeux rouges, voilà, la petite fourrure. J'aime trop, merci beaucoup. Elle va rester du coup hors champ, voilà, pour ceux qui sont arachnophobes, voilà, je pense à vous. Je vais pas la laisser comme ça. On continue avec ce produit-là, voilà, c'est un chaudron, voilà, avec des flammes, référence bien sûr à Harry Potter avec les chaudrons magiques. Et à l'intérieur, elle m'a mis des petits bonbons d'Halloween, je suis trop contente. Et là on a des petits bonbons Haribo vampires. Sache que tu vas faire des heureuses Fanny parce qu'on est des grands gourmands ici. Très très bon. Je continue avec cette boîte là, je pense que c'est pas la boîte d'origine. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Oh, non! Waouh! Mais c'est trop joli! Mais c'est trop beau, regarde-moi ça! Il y a marqué Meryl, mais en lettres, du coup, Harry Potter! Oh, je suis trop contente! Et en plus, en bleu, forcément, la couleur de ma maison, qui est serre d'aigle. Voilà, j'ai le petit coussin juste ici. Je suis tellement contente et choquée. C'est vraiment très joli. J'aime trop. Merci beaucoup. Il faut que je puisse le mettre quelque part. Je sais pas si ici il se voit. Bref, je vais le laisser là. C'est trop bien. Franchement, merci beaucoup. C'est trop chouette. Continuons avec un vêtement. Ça a l'air d'être un petit t-shirt rayé comme ça. Gryffondor. Franchement, moi j'aime toutes les maisons, donc je suis contente aussi. Ça a l'air d'être ma taille, ça doit être une taille S. Oui, c'est ça, taille 36. Et c'est sous licence Harry Potter parce que voilà, on essaye de dénicher le max de produits HP aussi officiels. Franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que je te mettrai un petit essayage juste ici. Voilà, je pense que il m'ira très bien. Je suis très très contente, Gryffondor. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste encore ce
produits là, du coup c'est la baguette qui les reste, le chaudron, le petit méril que j'aime beaucoup, l'araignée, le t-shirt et du coup la baguette. Ça va très très vite hein, les unboxing comme ça, vu qu'il y a 5 produits à l'intérieur dont une baguette. Donc là il y a le petit socle, bah voilà, elle part en sucette. Alors je sais pas, ah ouais, il y a marqué le nom juste ici. Voilà, je te laisse lire et moi je vais deviner, parce que j'adore deviner les à qui sont les baguettes. Oh oh my god, je n'avais pas celle-ci. Je suis trop contente. C'est la baguette de Bellatrix Lestrange. Je savais pas qui la faisait. Oh, j'aime trop. Aïe, aïe, aïe. J'aime tellement. Parce qu'en plus, Fanny... faudra que tu ailles voir son compte Instagram. Elle a été voir l'acteur qui jouait du coup... qui jouait Nicolas Flamel. Voilà, je t'ai remis. Qui jouait Nicolas Flamel. Et pour aller le voir, elle était en cosplay du coup Bellatrix Lestrange. Et je suis trop contente. Je ne l'avais pas. Et je savais pas qu'il faisait sa baguette comme ça. Parce que franchement, je suis trop contente. Elle est trop belle. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc voilà pour ce swap, franchement j'ai été hyper gâtée, la baguette de Bellatrix, je m'y attendais pas, c'est une réelle surprise et bonne surprise, franchement je suis contente, donc ouais il y a marqué ici Bella, donc pour Bellatrix Lestrange, franchement j'ai trop kiffé, oh mince une petite gâtée, j'ai trop kiffé en plus là le petit Meryl comme ça. J'aime trop, c'est super joli, original et ça a dû être fait par une créatrice. Du coup, merci beaucoup Fanny d'avoir pris soin de faire cette création voilà, personnalisée. Je suis très très contente. Et le petit t-shirt, la petite Hagrid, je la montre juste comme ça vite fait. Et les petits bonbons, franchement, je pense qu'on va pouvoir se régaler. J'espère qu'aussi mon swap spécial Halloween t'aura plu. C'est pareil, moi j'ai... essayez de trouver des petits clins d'œil, genre aussi, enfin vous verrez de toute façon si vous allez voir son swap que je lui ai envoyé, que ce soit sur YouTube ou alors sur Instagram. En tout cas, merci encore beaucoup Fanny pour tout ça, tu m'as vraiment gâtée, je suis très contente. On se retrouve pour un swap spécial un petit peu Noël, pas en octobre mais au mois de décembre du coup, parce que là on n'a pas trop le temps. Voilà tout, en tout cas si la vidéo t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, les liens sont en barre d'infos, à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le s'abonner qui est juste ici ou sur la petite tête qui va apparaître juste là, et quant à moi je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut. Allez, moi je vais me soigner un petit peu parce que là ça va pas mieux. Ta 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 na 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 ta 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 ta. Aïe. Oui, c'est la fête à la grenouille.